très beau boulot, on peut compter sur toi. J'avais pris l'habitude de se parler. Alors, tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de maman? Je vais te dire quelque chose. Je sais que tu m'écoutes. Tu ne le diras à personne, j'en suis certaine. Je ne sais plus quoi faire, toi tu m'écouteras. Ça me fait tellement mal au cœur, je suis perdue. Tu comprends? Et je ne sais pas quoi faire. Ni comment le supporter. Non, vraiment, je ne sais pas du tout comment faire. Parce que tu sais, il y a des secrets. En fait, il y a beaucoup trop de secrets entre nous. Il y a des choses que je ne peux pas lui dire. C'est trop dangereux. Je peux quand même pas le mettre en danger. S'il lui arrive quelque chose, je ne le supporterai pas. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais partir. Maintenant, je sais pourquoi tu as peur. S'il te plaît. Occupe-toi du reste toi-même. Où est-ce qu'il est? Hein? Dis-moi où il est! Sors d'ici! Je suis là. Alors? On s'expose enfin au grand jour, monsieur le procureur. Les choses vont changer à partir de maintenant. Octaï, range ça. Meriem n'est pas seulement une relation de travail. Je le vois maintenant.
Je me demande comment tu vas te sortir de tout ça. Je t'ai dit de rester loin de Meriem au moins une dizaine de fois. Je t'ai dit de laisser tomber je ne sais combien de fois non plus. C'est toi qui l'as voulu. Meriem, arrête. Meriem! Arrête, Meriem. Vas-y, appuie. Tire, allez. Tu ne vas pas faire bouclier pour ce type? Tu fais ça pour lui? Meriem! Stop! Reste tué à Gouklo. Savas, je te dis de rester là. Meriem, lâche son arme et écarte-toi de là. T'allais vraiment tirer, hein? T'allais vraiment appuyer sur la gâchette? Mais qu'est-ce qui se passe, Meriem? Ça suffit! Arrêtez maintenant! Ça suffit! Arrêtez! C'est quoi ton lien avec elle, au juste, hein? Qui tu es pour te permettre de me poser cette question? Tu m'as tendu un piège, voilà ce que tu viens de faire. Tu comprends pas? Je vais t'expliquer. C'est pas pour toi. C'est pour toute personne qui essaie d'éloigner Meriem de moi. J'ai organisé tout ça, pour savoir qui la menace et qui veut la tuer. Et comme par hasard, eh bien c'est toi qui arrives. Tu es venu de ton plein gré. C'est quoi ton petit secret avec elle, au point d'espionner sa maison comme ça, hein? C'est quoi ton lien exactement avec elle? J'aimerais bien que tu m'expliques. Quand tu as vu la photo, tu as foncé ici pour me tirer dessus. Qui tu es? Je veux savoir. Je t'ai dit de rester loin de cette fille, c'est toi qui n'écoutes rien. Ce n'est pas récent. Tu étais déjà là avant. Pendant l'incendie, tu étais déjà là. Réponds-lui. Allez, réponds-lui maintenant, ça suffit, je vais en finir par pitié, tu vas lui répondre. Mais c'est simple, il s'agit d'une affaire criminelle, voilà pourquoi je suis là. Quelqu'un a essayé de te tuer, je suis venu pour découvrir qui a fait ça. Je suis venu ici pour enquêter. Tu ne te rappelles pas qui voulait te tuer la dernière fois, hein? Tu es suspect aussi dans cette affaire, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui se passe ici? Commissaire, arrêtez Savas Sargun tout de suite. Il est entré par effraction, et aussi pour résistance à un procureur en plein service. Mais est-ce que vous avez des preuves? Pourquoi vous demandez si j'ai bien des preuves? Vous savez à qui vous parlez, je suis votre boss. Et votre supérieur vous donne un ordre, alors vous le faites, vous ne discutez pas. Je vais appeler le procureur général à ce moment-là, alors. On verra bien.